Bonsoir, aujourd'hui on va être beauf, je vous préviens. Parce qu'on va regarder et analyser des TikTok que seulement les mecs peuvent comprendre. Si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, si t'es une meuf et que tu vois cette vidéo, t'inquiète pas, on va t'apprendre les bases, d'accord? Bref, tu connais la chanson, on est à l'épisode 447, c'est parti. Et d'ailleurs oui, ne fais pas attention au décor qu'il y a derrière moi, on est en train de préparer un truc, c'est pas fini, là c'est éclaté, t'inquiète pas, voilà, juste... T'inquiète pas. Parce que oui, pour ceux qui sont pas au courant, j'ai quitté le bâtiment de Webedia. C'est fini, je tourne plus mes vidéos à Webedia. On est parti tous avec le Cookie Gang vers quelque chose de nouveau. Je vous spoil pas encore ce que c'est. Vous allez voir, ça arrive d'ici quelques semaines, mais je peux pas vous spoiler encore. Donc pour le moment, on tourne mes vidéos tranquille dans mon petit chalet en Suisse. Allez, on commence avec la vidéo. Mais c'était important de vous le dire. Je fais monter la hype un peu, tu vois ce que je veux dire. Premier TikTok. Les mecs perturbons les meufs. Ok, attention. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que... Ok, alors j'ai très peur. J'ai très peur en voyant ce TikTok. Est-ce que c'est ce que je crois? Attendez, je vais essayer. Non, c'est bon. Si? Non? Est-ce que c'est sa tub qui monte là? Je crois pas que c'est sa tub, on est d'accord. Je crois que c'est juste. Je pense que c'est un pli sur les vêtements, genre. Je sais pas si vous êtes au courant, les meufs, mais en fait, nous, les mecs, quand on fait ça, il y a souvent les vêtements qui remontent. Mais ça veut pas dire que c'est notre tub, genre. C'est la bosse que tu vois là. C'est pas forcément la beuteux. C'est peut-être autre chose. C'est peut-être juste le vêtement qui fait un pli. Voilà. Allez, prochaine vidéo. Les mecs, perturbons les meufs. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de sa chambre avec le t-shirt relevé. On sait tous très bien ce qu'il est en train de faire. On sait tous extrêmement bien ce qu'il fait. Et il prend un linge. Les mecs qui prennent un linge, c'est les habitués. C'est même pas les mecs qui prennent un peu du papier de toilette et qui essuient. Non, un linge, frère. C'est qu'il en a marre. Il en a marre de prendre du papier de toilette à chaque fois, c'est trop long. Il préfère prendre un linge et vra. Oh là là. Si vous avez pas compris, vous êtes trop innocent, je suis désolé. C'est pas grave, y a aucun souci. Peut-être que tu comprendras le prochain. Des choses que seulement les mecs peuvent comprendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se lève. Et ya, ce move il est légendaire et on le fait tous. Ça c'est pour toutes les personnes qui portent des slips genre Calvin Klein ou des trucs comme ça. Et c'est des trucs qui sont bien collants, bien moulants, tu vois. Donc quand tu te lèves, il se passe toujours un truc très relou. C'est que tu as le slip qui se colle sur les boules. Vraiment le slip et les boules ils font gros bisous. Et ils deviennent collés comme ça. Donc évidemment tous les mecs, pour éviter cette sensation désagréable, ils se lèvent, ils décollent le slip des boules et ils peuvent y aller. Voilà. Je vous balance des infos, vous en faites ce que vous voulez, prochaine vidéo. Seulement les mecs peuvent comprendre. J'ai la ref, putain, j'ai la ref de tout, là je suis trop fort, let's go. Vous avez compris ou pas? Donc attendez, je vous montre. Les mecs quand on marche, vous savez, généralement on marche normalement, et tout d'un coup, on a besoin de, tu vois, de toucher un petit peu les éléments, de remettre en place, tu vois. Des fois ça part dans tous les sens, donc du coup pour remettre en place, hop, tu vois, tu tac et après tu reprends la marche. Voilà, c'est ce qu'il a fait là. En gros, il a remis en place le pactole quoi, finalement. Allez. C'était la pire explication, mais t'as compris, je pense. Moi, qui fais un câlin à une meuf. Good to see you again. Ma tub. No, 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 not now, dick. Not now, dick. Go down. What do you mean, man? It's fucking go time. No, it's not fucking go time. Soften the fuck up. Bro, you know the rule. Hugging leads to fucking. Come on. If that's his dick, it's the smallest thing I've ever fucked. Très marrant. C'est vrai, quand tu fais un câlin à une meuf, si c'est une meuf que t'apprécies particulièrement, il peut parfois y avoir des choses que t'as pas envie qui se produisent. Tu vois, genre la beuteux qui fait... Faut juste pas que la meuf le ressente. C'est la seule, voilà, c'est le seul petit problème. Seulement les mecs peuvent comprendre. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'était que ce truc? C'était en allusion à ce qui... Non? Non, parce que si c'est ça, c'est dégueulasse. Je... Non. Ah. Allez, prochaine vidéo. Selon les mecs comprendront ça. Qu'est-ce qu'il fait? Une minute. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, oui, j'ai compris. J'ai capté. Attendez, celui-là il est subtil. En gros, les mecs là, on se comprend entre nous, on a une phobie, c'est d'attendre. On n'aime pas rien faire et attendre, tu vois. Donc, admettons, on met un truc au micro-ondes qui a genre juste une minute de préparation. Et bon, on en profite pour faire un truc instantanément. Genre, par exemple, là, le mec il met une minute, il court aux toilettes parce qu'il se dit, vas-y, mec, faut que j'aille pisser. Il revient et là, il attend que ça vienne à zéro pour appuyer sur le bouton et tout. C'est très marrant. Et ensuite, il arrive, hop.
Moi qui descends les escaliers le matin. Mais wesh, pourquoi ça me fait rire, putain? Oh là là, c'est une des premières vidéos que je tourne en étant plus dans mon studio à Webedia et elle fait honneur. La vidéo elle fait honneur. Elle n'a aucun sens. C'est vrai en fait, c'est ça qui m'énerve. Genre le matin quand tu descends l'escalier, ça fait toujours pap 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 palap pap. Tu sais pas pourquoi. Putain, ça m'énerve, pardon, prochaine vidéo. Tous les mecs, sans exception, vont comprendre ces images. Attention, il y aura un sous-entendu un petit peu... C'est sûr. C'est sûr, il y aura un sous-entendu. De quoi est-ce qu'il parle? De quelles images est-ce qu'il parle? Attention. Attention, le suspense est à son comble. Putain, c'est long, là, montre les putains. Ok, celle-ci, on l'a compris. On l'a déjà vu. À 7h du soir versus à 7h du matin. C'est vrai. C'est vrai aussi. Le matin, en principe, c'est plus facile. Les mecs. Oh oui. Les mecs, on entend dans une pièce qui tape sur tout ce qu'ils voient. Genre, je sais pas pourquoi. Les mecs, on aime trop taper sur des murs comme ça. C'est que... Genre sur le rebord des portes. Un jour normal, la souris est à droite. Un jour, seul à la maison, la souris est à gauche. C'est ce que je crois. Si c'est ce que je crois, vraiment, là vous abusez, là. Là, on a atteint un niveau de beau fric qui peut plus revenir en arrière, d'accord? En mode, si jamais t'as pas compris, genre... Parce qu'avec la main droite, il peut... Tu vois, avec la main gauche, ben... Bon, allez, je crois que t'as compris. Un robinet qui envoie deux jets. C'est quand tu fais pipi et que ça fait deux... D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Je sais pas, mais intéressant. C'est vrai. Quand on fait pipi, parfois, ça... Voilà. L'historique qui est complètement vide. Ça, je vous préviens, si vous êtes une meuf et que votre mec, il a un historique vierge, c'est pas normal, d'accord? Enfin, oui, c'est normal, mais c'est juste qu'il a été... voilà, il a été faire ce qu'il avait à faire, tout simplement. Et que ça fait pas longtemps, parce qu'il vient de supprimer l'historique, là. Qu'est-ce que tu regardes? Rien du tout. Cette conversation, c'est ma pire phobie, genre. Imagine, t'es en train de regarder un truc, voilà. T'as genre ta daronne qui arrive dans la pièce et qui fait « Qu'est-ce que tu regardes, Noah ?» Rien, tranquille, on est là, on... Voilà, on kiffe, ouais, voilà. Mm-hmm. Tu veux venir voir? Quelle horreur. Seulement les mecs peuvent comprendre. Je l'ai. J'ai mis du temps à le comprendre, mais je l'ai compris. Et je vais absolument pas vous expliquer parce que sinon ma vidéo va se faire démonétiser. Je suis désolé. Si vous le comprenez, c'est bien. Allez, prochaine image. Bien sûr, si tu l'as pas compris, n'hésite pas à mettre pause pour comprendre. Petite info très sympathique. On a décidé, avec mon équipe, de vous faire un petit concours. Chaque personne qui commande n'importe quel vêtement de ma toute nouvelle collection de vêtements a une chance que je m'abonne à tous ses réseaux sociaux. Comme ça, on peut discuter ensemble, on peut se taper une barre, etc. Donc, fais-toi plaisir. Commande un vêtement, le lien est en première ligne de description. Et en plus, ça me soutient. Ça me fait plaisir. Ça sert à financer les prochaines vidéos. Bref. On continue, pardon. Seulement les vrais mecs peuvent comprendre. Qu'est-ce que... Il prend une chaussette? Attendez. Il y avait plusieurs rêves, là. Il y avait plusieurs rêves que j'ai pas compris. La première... C'est... Il pousse... La première, je la comprends pas. La deuxième, la chaussette. La chaussette, je veux bien la comprendre. On se comprend entre mecs. C'est trop beauf. Je vais pas l'expliquer. La troisième, c'est... Tu n'arrives pas à mettre le... D'accord. Ça, je la comprends aussi. C'est bon. Je crois que je les ai tous compris. La dernière, je pense que c'est obvious. La deuxième, c'est la chaussette parce que la chaussette, c'est confortable. Et la première, je l'ai pas. On décortique tout avant tout. Très important. That movie was great. Yeah, it's nuts, isn't it? I enjoyed it. I'm just gonna go and use the toilet, okay? Right, cool, you do that. You know what? I'm gonna get some more snacks, hold on. Wow! Ah, j'ai la ref, ça c'est quand une meuf, elle est assise sur tes genoux trop longtemps. Et du coup après tu te lèves mais tes genoux ne marchent plus. Tes jambes sont HS, ça m'est déjà arrivé aussi. Ouais, parce que t'as ramené des meufs, voilà. Non mais arrêtez, oh c'est bon. Non mais je sais que vous avez envie de me sucer la bite, c'est bon, on arrête. Non, mais quand il ramène une meuf et genre elle est allongée sur toi trop longtemps, bah tu sens plus tes jambes après, genre ça ne marche plus. Damn. Et du coup tu marches comme ça. Je kiffe, la chorégraphie est très forte. Seulement les mecs peuvent comprendre ça. Attention. Oh, I fucked up. Oh, I fucked up. Oh no. Alors, il y a deux hypothèses face à cette vidéo. Il y en a deux. La première, c'est une meuf qui lui a envoyé un truc du style « Je sors de la douche ». Ça, et tu sais, tu ouvres le snap genre 3 heures après. On a tous la rêve. Genre, tu sais, t'es en train de jouer avec tes potes, 3 heures après, t'ouvres un snap et tu vois que c'est une meuf qui t'envoie genre « Je sors de la douche ». Non, non, non. Pourquoi t'as pas été là? T'avais une mission,
être présent quand la meuf sort de la douche, d'accord? Pour lui renvoyer un snap et dire waouh, passe une bonne journée. Non, c'est pour autre chose, mais t'as compris. Ou alors, option numéro 2, il a oublié d'appeler sa meuf le soir. Tu sais, on a tous vécu peut-être un jour une relation où ta meuf voulait absolument que tous les soirs tu l'appelles. Donc le mec, il a peut-être oublié. Il y a ces deux possibilités-là. Je sais pas laquelle c'est en l'occurrence, mais voilà, on se comprend. Quand tu ramènes à la maison ta crush, mais que ta ne marche pas. Attends, de quoi est-ce qu'il parle? D'accord. À part ça, les gars, je préfère vous le dire là, honnêtement, là, tous les mecs qui voient cette vidéo. Si vous vous apprêtez de la faire avec votre crush, ou peu importe qui d'ailleurs, et que bah en bas ça suit pas, bah, genre en bas ça devient pas comme ça devrait devenir, c'est pas grave. Je vous le dis, c'est pas grave du tout, et c'est déjà arrivé à plein de mecs, et c'est complètement normal. Alors, malheureusement, peu de personnes en parlent aujourd'hui, mais vraiment, c'est pas grave du tout. Et je vais vous raconter une anecdote là, comme ça, vous la connaissez peut-être, je sais pas, parce que j'ai déjà raconté une fois, mais peut-être que tu l'as peut-être pas vu. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, ça m'est déjà arrivé, et c'était la toute première fois où je voulais faire l'amour, voilà, avec ma copine, avec mon premier amour. Et pour la petite anecdote, c'était une meuf sur laquelle j'étais en crush pendant déjà des années avant, tu vois. Donc en gros, imagine-toi, je suis en crush sur cette meuf pendant genre 3 ans. Et après 3 ans, enfin, on se voit, il se passe un truc, tu vois, il y a une alchimie, il y a quelque chose. Et bah, c'est le moment de passer à l'action, tu vois. Et à ce moment-là, bah, j'ai tellement admiré la meuf que le moment venu, j'arrivais pas à... Voilà. Et c'est pas grave du tout d'ailleurs, on s'est tapé une barre et tout, on s'est marré. Et on a passé un super moment, et ensuite on l'a refait plusieurs fois. Et au bout de 5-6 fois, bah, c'est venu et j'ai enfin réussi à bander. Voilà. Si vous voulez savoir la petite anecdote. Les mecs, perturbons toutes les filles de TikTok. Attention. Il enclenche ça. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'ai capté, subtil, très subtil celle-ci. Celle-ci elle est subtile et elle n'est pas beauf. Elle n'est pas beauf. En fait, c'est quand tu, enfin en tout cas, moi c'est comme ça que j'utilise. C'est quand je me rase bah pas les couilles mais en l'occurrence. Et quand je me rase la barbe et du coup je mets des poils partout, bah du coup bah tu sais, tu prends de l'eau et tu fais comme ça pour enlever la barbe. Peut-être y'a un autre sous-entendu, mais j'ai pas compris s'il y a un autre sous-entendu, je suis désolé, je suis trop innocent. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ça c'est une vraie technique hein, mais je comprends pas cette strat. Mais mec, tu mets du dentifrice et tout, faut pas. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Non, mais tu peux pas mettre ça dans ton... Non! C'est pas agréable, on est d'accord, et même c'est dangereux, non, ne faites pas ça, c'est fou de faire ça. Et d'ailleurs, c'est sur cet énervement que je t'informe qu'on est déjà à la fin de la vidéo. Je sais, tu en voulais encore, tu peux, t'as juste à cliquer sur ton écran et continuer à passer la soirée avec moi. Fais-toi plaisir, d'ailleurs, petite info, on vient de sortir sur ma chaîne principale une vidéo, elle est incroyable. C'est une sorte de Tinder dans la vraie vie, tu vas voir, c'est fou, donc n'hésite pas à aller la voir si t'intéresse. Bref, c'était Noah, restez connectés parce qu'il y a du très très lourd qui arrive sur cette chaîne. Plein de bisous, plein de bonnes choses. Oh, peace out, les gars.